je crois qu'il y a pénalty, non? Il y a pénalty. Non, attendez. C'est pas sûr. Attendez, monsieur. Il y a un carton pour Schweinsteiger. Ça, c'est certain. Monsieur Schweinsteiger est en train de. Il y a pénalty. Pénalty pour la France. Voilà une faute de Schweinsteiger. Attention. Schweinsteiger sur Patrice Evra. Il tifle une main de Schweinsteiger. Voilà. Pour rendre le ballon du point et empêcherait Patrice Evra. Oh, c'est dur. C'est dur quand même. Vous avez bien vu Alain Giresse. C'était pénalty en faveur de l'équipe allemande, en équipe française. Un pénalty marqué dans les arrêts de jeu. Alors là, c'est très simple. Neuer face à Griezmann. Griezmann qui va tenter de marquer son nouveau but, en tous les cas, son cinquième but depuis le début de la compétition. Le pénalty, vous avez Griezmann qui est en train de prendre son élan. Et quand on revoit l'action, Alain Giresse avait raison. Il a dit tout de suite qu'il y avait pénalty, pas d'hésitation. Attention à, il est sévère. Griezmann qui s'élance et l'équipe de France de football qui ouvre le score 1-0 marqué par Griezmann. Un pénalty. Ouais. Super et bien tiré. Hein. Ah, magnifiquement dit et bien tiré. Il a pris Manuel Neuer à contre-pied. Manuel Neuer qui est parti sur sa gauche. Et Antoine Griezmann qui a ouvert son pied gauche et intérieur du pied, petit filet côté droit, mi-hauteur, imparable. Et du coup, c'est la mi-temps qui est sifflée à l'instant même. On n'a pas vu la réaction de Joachim Löw.